Salut! Bonjour! Ça va? Et toi? Oui? T'as été aujourd'hui? Si, ça a été. Le début, c'était pour essayer la vie en France, les moyens de vie partagés et aussi habiter avec quelqu'un. Elle fait ses courses, elle fait sa cuisine, nous sommes indépendantes. Il n'y a aucune contrainte entre nous, sauf le partage de la salle de bain. Voilà. Est-ce que tu veux manger avec moi? Ah oui, bien sûr. Et nous asseyons, bien, chacun avec ses choses, comme elle a dit, je fais ma cuisine, elle fait sa cuisine, chacune À son à plat. son place, aux choses très différentes. Mais nous mangeons ensemble et parlons. On a fait des choses ensemble. Après, on a chacune notre vie. On se dit, bon, à ce soir, je serai pas là. Ce soir, je rentre tard. Elle est comme une petite souris quand elle sort. Je l'entends pas rentrer. C'est une petite souris. Elle fait pas de bruit. Nous avons bien sûr chacun notre espace, notre. Je jamais rentre dans sa chambre comme elle jamais rentre dans la mienne. Donc ça fait, je crois que ça montre l'intimité de chacune. Je suis seule depuis le mois de décembre et la solitude était compliquée pour moi. Et grâce à Alejandra, j'ai repris pied. Moi, j'ai un nouvel étudiant qui arrive en janvier et ben, en septembre prochain, j'espère participer au projet, être sur la plateforme, la tester et qu'un nouvel étudiant, d'où qu'il vienne, je n'ai pas d'a priori sur le pays, que ce soit là, c'était en test avec l'Espagne, mais si c'est d'un autre pays, j'accueillerai un nouvel étudiant ou étudiante qui voudra bien venir. Faire donc un séjour chez l'habitant.